Vous avez formé un couple incandescent que vous racontez d'amour véritable avec un homme que vous connaissez, dont vous connaissez mieux que quiconque, les accès d'humeur, les folies de grandeur qui étaient les défauts de ses qualités. Et pourtant, cet homme que vous avez aimé avec beaucoup de lucidité, vous reconnaissez dans ce livre l'avoir parfois maudit et détesté après sa disparition. Oui, oui. Ça m'est arrivé, c'est plus le cas. La cote d'amour, c'est une humeur. J'ai pas compris, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce que tout le monde se demande comment cet homme qui était si intelligent a-t-il pu laisser sa femme, mais tout simplement, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer derrière. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment la douleur. Il y a plein de raisons. Mais on va essayer de sortir les essentiels. La première et la plus importante, c'est le changement total de psychologie et de motivation. J'avais l'habitude de faire comme ça et là, ça n'a pas marché. Il faut se mobiliser sur le plan de l'énergie. C'est comme ça. Et l'énergie, ça se prend en en dépensant. Ça fait toujours peur. La liberté de quelqu'un aux autres. J'ai vraiment la trouille. J'ai pas compris. Il s'agit de passer un cap et surtout de remettre des pendules à l'heure. Je pense que tout ce qu'il a entrepris depuis le départ, c'était pour m'épater. Là, c'est tu fais appel à la motivation inconsciente. Celle qui te fait courir le 100 mètres parce que ton gosse se noie. D'un coup, réunis ensemble, qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps? J'ai vraiment la peur. Il me l'a avoué une fois. Bon, mais j'étais pas toute cuite là à attendre. Voilà, il avait l'habitude de faire comme ça et ben là ça n'a pas marché. Donc, oui, ça là, il y a une émulation, on va dire. Chaque fois tu dis des choses qui me niquent parce que c'est génial. T'avais autant peur que moi. Oui, j'ai vraiment la douleur. Est-ce que c'est légitime? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Vous avez formé un couple incandescent. C'est un bonheur exprimé sans limite. Raconte-nous une histoire. On a vu ce que ça a généré chez les gens, c'est inimaginable. C'est une belle démonstration de ce que les gens sont capables de faire. C'est une émission qui va manquer beaucoup. Et donc, je suis content de venir avec vous à l'occasion d'un de ces derniers rendez-vous. C'est romanesque ce que vous racontez dans ce livre-là, tel point que si on vous avait demandé au début de votre histoire ce que vous allez devenir l'un et l'autre, vous auriez parié sur la réussite professionnelle, mais pas sur la longévité de votre couple, parce qu'il était aussi brillant qu'invivable, sous Paulet et d'une jalousie maladive, oui. Jusqu'au bout quasiment. J'ai pas eu son dernier souffle, j'aurais voulu le prendre dans mes bras, mais il est parti comme ça.